Eh ben bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringui. Aujourd'hui on est sur Empire Huon, comme pour pas changer. On aime bien ça, moi je l'adore. Écoutez, on va voir comment ça se passe. On va voir où on en est tout de suite. Allez, on fonce. Eh ben nous y voilà les amis, on est de retour sur l'endroit où on était coincé. Donc je vais vous montrer comment marche une tourelle de minage sur ce genre de vaisseau. On a notre petit truc de pentaxile ici, on va y aller tranquille mimille. Juste avant d'aller récupérer notre chasseur qui est sur la place, qui est dans la place sur notre station, parce qu'on a démonté. Et puis je sais pas si on va la démanteler, on va déjà faire les tours des autres mineurs qu'il y a ici. Et les autres ils sont sur la planète blanche qui est totalement à l'opposé, car je me suis trompé. En fait ici sur Gara qui a rien, et c'est nos automineurs sont sur Kefen. Et il nous reste de toute façon Arigopal à aller visiter. Il y en a sûrement une dans ce secteur là. Certainement une autre dans le secteur là. Alors pour l'instant on va déjà récupérer notre vaisseau. Qu'on pourra mettre au garage. On va pas le démanteler parce qu'il est joli, je vais le garder. Voilà, on va pas commencer à batailler avec des ressources démonter. Bon, on va refaire un autre de ces mineurs plus modèle un peu plus récent et un peu plus intéressant. Mais pour ça il faudra que j'ai un peu plus de loot, et puis que à la station est juste au dessus, un peu plus de loot, et on démontera celui là bien entendu. Ces vaisseaux on peut pas les revendre, on peut que les démonter au pire. On peut pas les basculer, on peut pas les revendre, on peut pas rien faire du tout. Alors là on est approximativement près de l'astéroïde. Je vais couper les propulseurs, je vais partir dans mes tourelles. Donc je vous explique comment faire pour aller dans les tourelles. Vous allez dans signal logique, là il y a tous les éléments de votre vaisseau. Bon, vous pouvez faire des groupes, des sous-groupes là en haut. Ah, celui-là c'est le tout premier, je savais pas, donc j'ai rien fait du tout. Et vous allez trouver les tourelles de minage qui sont là. Il y a une tourelle multi-outil, celle de devant. Et les tourelles de minage, il faut juste les trouver. Là il y a les tourelles de défense, ok, les balises. Là. Bon, ça c'est, j'ai deux tourelles de minage. Ah oui, ouais. Non, j'ai deux outils. Ouais, j'en ai peut-être deux trop. Donc ça, je suppose, c'est celle de devant. Donc ça va pas le faire. Vous cliquez deux fois dessus et puis vous êtes dans votre tourelle. Et puis vous arrosez. Donc ça, c'est la tourelle de devant, hein, si je ne m'abuse. Vous tournez à fond. Il y a une tourelle au-dessus, puis une tourelle en dessous. Mais c'est bizarre. Alors, pas vous miner, hein, vous balancez la sauce. Comme vous les sauvez, il n'y a pas de recharge, vous arrosez. Portez 80 mètres. Vous creusez le caillou. Comme en minage manuel, quoi, sauf que, ouais. Bon là je suis à fond en bas là, donc quel fond est trop haut, il faut descendre les vaisseaux. On ne peut pas descendre des vaisseaux d'ici, on est dans la tourelle, donc le vaisseau est totalement inactif, on ne peut pas le bouger, il faut qu'on tourne dans le cockpit, donc on appuie sur F. On appuie sur F. On met la machinerie en route. Et puis, comme vous avez pu voir, c'est la tourelle, mais c'est quoi la tourelle d'en dessous alors? Je me déplace, on va repartir dans le signal. Tourelle de forage. Ah oui, il y a celle d'en dessous aussi. Donc celle-là, c'est celle qui est devant le cockpit. Je vais tourner le canon, comme vous pouvez voir, le cockpit il est là. Donc celle qui est en dessous, la plateforme devant votre nez. Donc c'est bien quand vous êtes plusieurs dans le vaisseau, c'est pour ça que j'ai mis des... C'est plus pour quand on est sur serveur. Quand vous êtes plusieurs, bah, on peut chacun se mettre sur une tourelle, puis démonter.
simultanément l'astéroïde ou l'astéroïde ou une base, vu qu'on a des outils matériels, des tourelles outils, c'est pour démonter des bases ou des vaisseaux. C'est quand même assez efficace, mais ça peut être long. Donc voilà, je vais diminuer encore un petit peu. Un taxi, on en a besoin pour partir en exploration. Aujourd'hui on va quand même récupérer notre vaisseau déjà. Avec tout le loot qui attend, on va pouvoir peut-être avec les ressources de tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a récupéré qu'on a dans notre vaisseau, notre chasseur, on va peut-être pouvoir, vu qu'on a des noyaux d'autonomie, peut-être qu'on pourra même construire ici avec notre, sur notre, notre petit vaisseau mineur de mer. Petit vaisseau mer, on pourra peut-être même construire des autres minas V3, niveau 3, et les poser sur la prochaine planète qu'on ira explorer. On n'aura peut-être pas obligé, d'ailleurs, on ne sera peut-être pas obligé d'aller sur la base, de retourner à la maison pour faire ça. Donc c'est intéressant, le vaisseau mer, c'est le must, c'est le but de tous, quoi, c'est d'avoir sa base et puis d'avoir son vaisseau mer. Après les chasseurs, tout ça, c'est d'accord. Mais le vaisseau mer, quoi. Après le vaisseau de guerre, le vaisseau de minage, ou les deux, ou puis ça c'est à vous de voir. Vous fabriquez à la main, bloc par bloc, sur vos petites bases avec les ressources et tout, ou alors vous faites sur le créatif en boucle de l'aide bloc à volonté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez le chichader à fond. Puis après vous le blueprintez moyennant les ressources, bien entendu. C'est pas de remonter la triche, parce que. C'est des ressources, hein. Vous avez des ressources exprès pour faire. Donc voilà, le pentaxi est pas mal, ça mine un peu, et on va arrêter là, et je vais vous montrer donc où finit votre pentaxile, ou tout ce qui est miné, où ça finit. Ça va finir dans un de ces chests là, donc il est pas dans celui là, donc il est dans l'autre qui est de l'autre côté derrière. Et le pentaxile est là avec le caillou concassé qui est nickel. Donc on peut direct le mettre dans la machine pour faire du pentaxile raffiné pour repartir pour votre votre propulsion hyperespace ou pour les munitions, parce qu'il y a besoin pour certaines munitions, on a besoin des pentaxiles. J'aurais peut-être dû miner un petit peu, mais bon, on va pas commencer à miner. On n'est pas là pour miner, hein. On est là pour récupérer notre chasseur. Et démanteler notre base. Mais on ne pourra pas utiliser les canons ou les tourelles outils de ce vaisseau-là. Bah, c'est un vaisseau mer, on ne peut pas. On peut utiliser dans l'espace les canons outils. Et les canons outils, les tourelles multi-usage, multi-outillage. Les utiliser que dans l'espace. Pour pouvoir démonter une base, il nous faut un hover. C'est un hover, c'est un véhicule terrestre. Et ils ont des canons, des tourelles de minage, des tourelles de minage et des tourelles à outils. Donc on va rechercher la petite base qu'on s'est bien amusé à démonter. Elle est, je l'avais pointé logiquement justement pour éviter de chercher. Et on a nos petits mineurs qui tourne toujours, donc on va les laisser tourner, et nous on va direct à la base récupérer notre vaisseau, parce que mes tourelles sont allumées. On peut retourner dans la base, donc on est bon, les tourelles sont allumées, sont supérieures, ça qui est dommage, ça qui est gênant sur ce vaisseau là, c'est qu'elles sont au dessus et généralement on vole pas à l'envers comme ça, hein. On vole pas comme ça, donc les tourelles ne tireront pas, tireront dessus, donc c'est bien d'avoir des tourelles en dessous ou sur les côtés direction bas, quoi. Pour ça que le démolition, c'est il y a des tourelles au dessus et en dessous. C'est pour ça que je l'ai fait, l'Antares aussi, quand je l'avais, je l'ai toujours, hein, le blueprint de l'Antares et tout, mais il est incomplet parce que j'avais fait une grosse partie avec vraiment tout ce qu'il fallait pour que ça tourne, mais il n'y avait pas tout, tout l'intérieur n'était pas forcément totalement agencé et rempli, il était vide, il y a des parties vides,
Il y avait du vide. Il y a des moucherons là, ici, chez moi, ça m'énerve. Donc, voilà. Donc la terrasse, peut-être un jour, je vous montrerai. Je pourrais vous le montrer, hein, la terrasse. Je sais même plus si j'ai le... Je l'ai j'ai pas en blueprint. Enfin, j'ai en blueprint, mais je l'ai plus en, dans le créatif. Le créatif, j'ai shooté. Il y avait l'Antares avec tous les autres mineurs. C'est pour ça que tous les... Tous les... Tous les blueprints, c'est bien de garder le créatif. Bon, j'ai shooté parce qu'il y avait plein de modèles de celui-ci. Je sais pas si j'ai bien fait, mais bon, je m'en fous. Au pire, je m'en fous. Là, on va se poser là. On est juste à côté de notre base. Bon, faut peut-être enlever le frein. On peut pas se poser dessus parce que on est totalement... les tourelles, elles vont ferrailler. On se pose. Voilà. On va couper les propulseurs, les tourelles aussi, autrement on tire l'arigot. On coupe l'oxygène. Bon, du carbu, j'en ai pas mis des masses. Il me reste encore beaucoup de carbu pour décoller, pour passer d'une planète à l'autre. Et nous, on est arrivé. Donc je vais peut-être recharger mes armes quand même, parce que je sais qu'il y a du méchant là en dessous. Et on va direct récupérer notre petit vaisseau. Donc il a tiré la brasse sur ces bestioles là. On va récupérer direct notre petit vaisseau. Et eux, je vais me les faire, c'est ça le prix. J'ai pas pris de munitions. Ouais, bon, bien sûr, Fringui, manifestement, on a des problèmes avec les nouveaux. Les nouvelles formes de munitions et tout, les couleurs ont toutes changé et je me trompe à chaque fois. Je vais prendre munitions fusil à pompe aussi, parce que. Moi, je les ai, les munitions fusil à pompe, je vois, c'est la moitié. Il n'y a pas pour du fight, hein, on a déjà tout cassé, mais. On va démonter, donc j'ai du 17, de toute façon dans l'autre vaisseau j'ai ce qu'il faut, je vais juste récupérer le vaisseau, on va le mettre sur la plateforme au-dessus. Et puis on est good quoi. Bon, le vaisseau déjà il a du mal à se poser parce qu'il est quand même grand, hein. Donc il y a des arbres, il se pose sur les arbres. Hein. C'est pas terrible, c'est pas très esthétique, mais c'est pas grave. Donc, et ils mangent du plomb, c'est eux qui m'ont buté. Vengeance, vengeance. Attends, je vais mettre le fil à pompe. Alors bien sûr, ça c'est le genre de truc qui marche quand c'est chargé, bien entendu. Bon, comme d'hab, je suis toujours empoisonné, ça tombe très bien. Ouh. Ouais, c'est sûr que pour les bestioles c'est efficace, hein. Le fusil à pompe, ça a une portée très minime. Mais ça chiate quelque chose de cinglé quoi. Je vais me finir la petite araignée qui est là-bas. Ça c'est réglé. Finalement, courte portée, le fusil à pompe, il n'y a rien de plus efficace. On va aller crever dans notre vaisseau, parce que je n'ai pas de. J'ai poussé de fièvre, j'ai pas de médoc, j'ai truc pour me j'ai régénéré mon bouclier, ma vie, tout le bordel, mais j'ai pas pris de médoc pour j'ai pas pris de médoc tout simplement. C'est pas grave, hein, on s'en fout de toute façon. Alors, on a les deux vaisseaux, si on a des problèmes, je sais pas ce qui peut qu'est-ce que ça peut être le pire ici quoi. Ça on va foutre ça là-dedans, on va pouvoir faire de la bouffe. Ça marche, tout est là, on a une petite base volante pour nous. Tac. On va juste reprendre, on va juste... On va de toute façon crever, c'est sûr, mais je vais remettre charger mon énergie à fond. L'oxygène aussi. Et on va attendre de crever juste là dehors. Ou juste à côté de notre vaisseau, de toute façon on y est. On y est presque. On y est presque, les amis. On voit plus rien, on n'arrive plus à sauter. Ah mais oui, mais je me suis régénéré, mais... Mais je peux rien faire là. Bon, on peut déjà faire ça. Je suis affamé. Je vais bientôt crever. Mon vaisseau est là, j'avais peur. Le petit soleil il a disparu. Il manquerait plus que ça, tiens. Il manquerait plus que ça, les amis. On va poser notre vaisseau. Je vais prendre mon vaisseau. On va poser le vaisseau sur le gros vaisseau. Et puis, je vais démonter ce qui est intéressant à la base.
Donc ouais, on peut on peut on peut on peut on peut on peut pas se baser sur la base principale, c'est étonnant ça. On peut aller que dans le vaisseau. Mineur V10. Mais ouais, je sais pas. Pourtant, je l'ai pas mis en principal. Hein. Bâtiment principal, respawn. Peut-être qu'il faut le réactiver. Là, ça peut être chiant si on. Bon, on va pas. Ça, c'est un vaisseau. Normalement, on le perd pas comme ça. Mais si ça arriverait, ça pourrait être compliqué, quoi. Je croyais qu'on pouvait. On avait. Je n'avais pas déverrouillé le respawn. Le respawn dans mon dans ma base quoi. C'est vraiment étrange quand même, c'est vraiment étrange. Coucou mon petit vaisseau, je suis de retour, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors on va démarrer, puis on va aller poser sur notre super vaisseau. Tout est bon, tout est ok, le carburant y est, tout y est. On va aller le poser derrière l'autre. Bon, il sera peut-être pas forcément très 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 bien placé. Ouais, il va être même très mal placé. Bah, il y est, hein, il bouge pas, hein, il y sera. Mais il est mal placé. Faut que je vais avancer un peu celui-là. Ces trappes-là, elles sont pas très bien. Elles sont pas très. Il est un peu juste celui-là quand même. Non, c'est pas les tours exosens. Si, les propulsions. C'est un peu juste en place. Là, l'autre on le laissera comme ça, on atterrit là, paf. Voilà, on coupe le jus, paf paf paf, on ressort. Celui-là on pourra même le laisser dans ce sens-là, on s'en fout au pire, hein, c'est pas. Je mange pas de pain. On recule un petit peu, on met là, tac tac tac. On descend. Et puis on y est! Voilà. J'ai coupé tout le jus, je vais juste récupérer ce qu'il y a dans le frigo. Mais dans le frigo d'en dessous. Bon, il y a un peu à cheval sur les plateformes. Par contre, je suis tellement bien placé, j'arrive même plus à passer dessous. Voilà, ça va être un peu compliqué, c'est pas grave, on va juste récupérer ce qu'il y a dans le frigo. Ça, c'est périssable. C'est déjà tout périmé, déjà. Donc, on a qu'à pomper bien y laisser alors. On peut bien y laisser. Qu'est-ce qu'on a de beau là? On n'a pas grand-chose. C'est là l'intérêt d'avoir ça, bah, on fout tout dedans là. Juste à côté du vaisseau, on a juste à tout foutre dedans. C'est pour ça qu'il y avait des plateformes, des passerelles sur les côtés. On pouvait juste aller dedans, récupérer ce qu'il y a. Oups. Juste récupérer les loot et puis on est dessous ou au-dessus. Comme l'Antares aussi, il y avait des chests, des accès aux chests par le dessous. Voilà, on est rarement au-dessus. Donc j'avais récupéré juste, j'avais juste laissé des accès à des chests. Non, peut-être qu'on le fera parce qu'il est quand même. Il est quand même beau, hein. J'ai pris du temps, on va le faire ce vaisseau. On le fera peut-être bien l'Antares. Parce qu'il est quand même. Il est quand même costaud et il est quand même beau. Et il y a du boulot là derrière. Peut-être qu'on le fera. Donc je vais démonter tout ça. On va démonter toute cette base. On en a tellement chié pour arriver ici à la péter, on va la récupérer totalement. C'est pour ça qu'il nous faudra un hoover de minage. Alors, on en a, enfin il y en a en blueprint. Il y en a en blueprint un joli sympa qui va très bien. Il y a 2-3 tourelles, mais il faudra peut-être voir s'il y a une tourelle de minage. Une tourelle de minage, oui, on peut. Bon, peut toujours les crafter puis les mettre des tourelles dessus hein, en plus. Et qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est les fameux trucs. Les tourelles de minage et puis les tourelles de démontage pour les bases. Seul le hoover peut le faire. Sur les planètes, bien entendu. On va récupérer tout ça. Cette salle, puis après je vous passe la joyeuseté du démontage, parce que c'est pas la première fois que je démonte. Moi je suis en flingue du démontage, donc on va pas trop perdre de temps là-dessus. Je récupère juste les trucs intéressants. Bon là de toute façon c'est de la tôle, il ne sera que de la tôle. Donc je refais
faire le tour à l'extérieur. C'est qu'il y a des lumières, il y a des trucs. Ah si, il y a là. Donc on va pas non plus y passer des plombes. Il y a juste un petit copain qui est juste là. Donc là je vais recharger avant d'avoir des problèmes. Fusil à pompe aussi. T'es où copain? Copain, t'es où copain? Copain. Il y a un scorpion ici. Bon, je sais pas où il est. Bon, on va démonter et puis... dès que je le trouverai, je le fume quoi. Je le fume au fusil à pompe et puis ça sera vite réglé pour son matricule. Et puis on fera l'inventaire de tout ça à la fin de ça. À la fin de. Dès que j'aurai fini. D'ailleurs je comprends pas pourquoi les portes s'ouvrent. Pourtant il n'y a pas de la base. Pas de noyau présent, là. Je l'ai pété. D'habitude tout est éteint, il n'y a pas de lumière et rien. C'est bizarre. Bon, il n'y a pas vraiment de lumière mais. Là. Je peux en fouiller parce qu'il y a des fois des cachettes et des jolies du loot bien intéressant. Ça les gris j'en aurai un à secouer. Des plantes. Bon écoutez, je démonte tout ça puis on fait un petit inventaire après ça. Les petits loulous. Allez, à tout de suite. Et ben voilà les amis, on est de retour. On a une autre planète, on a récupéré notre vaisseau, on a tout ce qu'il nous faut. C'est totalement de traviole, c'est impressionnant. Donc on a deux solutions maintenant, tout de suite là d'abord. Est-ce qu'on va aller vers lui, astéroïde, les astéroïdes, ou alors on rentre à la maison et on repart de l'autre côté. Moi je dirais que on part de l'autre côté. On va décharger tous les vaisseaux, machin, on va réparer ce qu'il y a à réparer. Et après je dirais qu'on ira récupérer notre minage à Kefen là, et puis après on pourra aller sur Arikopal. Moi je crois que c'est le truc le plus intéressant. Mais comme d'hab, comme par hasard, c'est toujours bloqué, on peut pas reculer. Donc, c'était pas un bug, c'est parce que c'est cette connerie, mais on va être obligé d'aller ici. Donc, bah, le jeu a décidé pour nous qu'est-ce qu'on va faire, donc on va aller là-bas, hein. Heureusement c'est un vaisseau mère, on a ce qu'il faut pour pouvoir bouger. Et c'est vraiment bizarre quoi, qu'on puisse... Bon, peut-être faut faire la boucle une fois, puis après bah, c'est réglé quoi. Je sais pas du tout, mais c'est un peu étrange. Bref, c'est pas grave. Hein. On va aller voir. On va aller voir les amis. Allez, feu. Et voilà. On ne voit rien du tout, on est dans le brouillard. Bon, ça arrive. Ah ouais, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans ce coin? Silicium et cobalt, c'est super. On a un shop là-bas. Pour l'instant, on va rester tranquille avec les shops. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de beau comme destination d'ici? Et manifestement, il y a un sens de rotation. Alors ça, c'est quand même intéressant. Comme quoi, on a un sens de rotation. On peut pas... Ça, c'est la flèche, elle veut dire qu'on va que dans ce sens-là. On peut pas retourner. C'est intriguant, quand même. C'est intriguant. Donc bah, on va aller sur Arikopal hein, vu qu'on y est. Je m'excuse. À la station, là, station orbitale, j'en ai rien à faire. Et puis après, bah, on va faire comme ça. Après, chers amis, il suffit de regarder bien clairement comment ça se passe. Et vous voyez que en haut, là-haut, là, je sais pas si vous avez le curseur, je sais toujours pas d'ailleurs. En haut à droite de la map, là, côté de détails système solaire, il y a
Les traits jaunes, c'est 15AU, 15UA, c'est que dans un sens, manifestement. On peut partir que dans un sens. Et 15-20 en orange, c'est double sens, manifestement. Parce que là, on devrait pouvoir y retourner. Ouais, tout à fait. Mais on pourra pas reculer. Donc c'était pas un bug, c'est. Voilà, encore un nouveau truc. Encore un nouveau truc d'Empyrion. Bah écoutez, c'est pas grave, maintenant on a un vaisseau mère, donc on va peut-être gaspiller un peu de. Pentaxile, mais c'est pas grave. Mais il y a des sens de. Avant, on pouvait faire des allers-retours comme on voulait. Maintenant, manifestement, ça a dû changer. Ce qui est un peu, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. On va aller sur Erigopal tout de suite. Allez, on fonce. Zou. Et bon, là, chers amis, on est arrivé à Erigopal. Hein. Regardez, la lune est rouge. Le ciel est rouge, du moins. Et il y en a une autre aride. À Ridge là-bas, c'est nickel. Mais bon, on va pas perdre trop de temps. On va déjà voir ce qu'il y a sur Erigopal. Donc manifestement, il y a du fer, du néodysium ici. Et on va faire un petit saut. On est là, on y va. Donc, faut que j'ai enlevé le frein, c'est bon. Il y a plein d'astéroïdes dans le coin, c'est pas mal. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants ici. Et après Erigopal, on retournera à la maison. Comme c'était prévu. Maintenant, le sens de truc, c'est un peu étrange, quoi. Donc c'était pas un bug, hein. J'avais pas le choix. Je suis arrivé là-bas avec mon petit vaisseau, pas bah, impossible de faire demi-tour. Même avec le carburant que j'avais, c'était pas possible parce que c'était pas un vaisseau mère, la réserve n'était pas assez grosse. Manifestement, ça a l'air d'être une planète avec de la lave. C'est la crouge, normalement, c'est de la lave. Donc, on a de grandes probabilités, chers amis, de trouver du zirconium. Métaux rouges et de l'érythrium aussi quelquefois et surtout de l'or pour se faire du pognon. Donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe sur cette planète. Donc on met un peu les gaz quand même et puis on va voir ce qu'il y a de beau et d'intéressant. Par contre j'avais décrété, je me suis dit je vais refaire un nouveau mineur. Celui-là c'est le tout premier, il est un peu simplet. Maintenant, j'ai la question que je me pose tout de suite dans ma petite tête. Est-ce que je vais démanteler celui-là et le faire, refaire la base de ça, ou je vais faire un blueprint? Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Donc là, tout de suite, je vais faire un blueprint de celui-là parce que c'est le MK10. Donc ça devrait marcher. Non, ça marche pas quand ça c'est en mouvement. On va le freiner. Ça a marché maintenant. Non, c'est pas comment il fonctionne, il marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. On le fera après, hein. Faudra que je le fasse comme ça, je saurai celle qui est. Je changerai peut-être le nom. Pour dire celui-là c'est le tout premier, donc il est joli, mais c'est le tout premier. Bon, je crois qu'on va peut-être pas aller trop vite, on va rester avec celui-ci. Et puis on essaiera de s'en crafter un autre avec des ressources et non comme celui-là en fait. Comme celui-là. Donc, qu'est-ce que nous avons d'intéressant ici? Nous avons des lacs de lave. Nous avons du satium, mais nous n'avons pas le zirconium. Donc c'est presque pas intéressant de rester là. C'est presque pas intéressant de rester là. Parce que le zirconium, j'en ai besoin. Donc à la limite ça on pourrait faire. Oups, un petit bug d'affichage. Le zirconium, j'en aurais besoin quoi. Pour les automineurs. Donc pas si on va rester là. On aurait un shop, on va peut-être aller en shop. Si un shop, il doit avoir un shop ici de toute façon. Ce n'est pas dans l'espace, donc il doit être forcément par là. Maintenant, je suis pas certain. Manifestement, il n'y a pas de shop ici, donc je suis même pas sûr qu'on va rester. Donc, on va remettre les gaz, on va remonter à la verticale et on va rentrer à la maison comme c'était prévu pour décharger tous nos petits vaisseaux, faire les réparations qui ont besoin, voir les ressources, et essayer de faire 2-3 automineurs vu qu'on a quand même un peu de ressources. Et puis après, on va voir ce qu'on va vraiment faire. On va voir. Donc, on passe dans l'espace. Mon carburant, est-ce qu'il en est où? 22, faudra que j'en rajoute. J'en aurai pas assez pour faire les trajets. Maintenant, vu qu'on est ici, on va pouvoir certainement sauter directement.
Donc là c'est sens, mais c'est sens unique. Le jaune il est sens unique. Mais dans quel sens? Donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là je pourrais pas retourner là. Tu? Un peu étrange leur truc. Manifestement peut-être que celui-là, Diadus, on ne peut aller que ce trajet-là et que dans ce sens-là. On va dire que c'est ça. Donc on va directement aller sur Kefen, direct, on va pas se prendre la tête, on va aller récupérer nos minages là-bas. Puis après on rentre à la maison, tout simplement. Et on va s'occuper de faire de la maintenance sur nos vaisseaux. Réparer, changer, modifier s'il y a besoin. Nos petits vaisseaux tranquilles Mimille. Pour après pouvoir repartir de nouveau à la conquête de l'espace. Allez, on y va. Mais je crois pas que ça va marcher, parce que j'ai plus de carbu. Donc pour freiner, faut que je m'arrête totalement. Je m'excuse. Pour descendre. Je m'excuse. Pour descendre. Sauter de mon petit siège de pilote. Et faut que je recharge du carbu. Parce que manifestement, il n'y en a plus assez. Contre le carbu aussi, celui-là, il boit quelque chose de sévère. Hein. Celui-là, c'est une pompe. Hein. L'oxygène, non, mais alors le reste, attention, hein, ça rigole quoi. Donc ça, je vais pouvoir le foutre là-dedans, là aussi. Par contre, j'ai vu ça, que j'avais ça. Je vais lancer des lingots dans le constructeur. Vu qu'il est allumé, on va se faire du cuivre. Tente de faire le trajet, ça aussi. Du cobalt, tout ce qu'il y a. Comme ça, c'est toujours des ressources qui seront déjà faites pour le prochain, voilà, ça sera toujours fait, donc on perdra moins de temps. On perdra moins de temps pour bouger, quoi. Par contre, là, la caméra, je l'ai déréglée, faut que je la règle encore. Voilà, moi j'aime bien voir mes réacteurs. Quand ils poussent, c'est délire. Allez, on y va. Et ben voilà, chers amis, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et merci beaucoup. Merci pour Fringy et sa chaîne. Et puis on se retrouve au prochain épisode. Ou sur une autre de mes petites vidéos bien cool. Allez, salut à tous!